Il y a combien d'échantillons là sur lesquels tu as travaillé déjà là? Bon, j'ai travaillé déjà sur 1024 échantillons. Sur 1024 individus. Un individu prélevé sur le terrain. La genèse d'un projet, ça part du fait que chacun de nous, partenaires, homologues, on commence par réfléchir sur une problématique. Moi, je suis spécialisé dans le domaine aquatique, des ressources aquatiques. Donc, tous les problèmes qui se posent à la gestion des ressources aquatiques vivantes au Bénin, ça fait notre préoccupation. Donc, il faut d'abord identifier un problème. Et avec les homologues belges, nous réfléchissons ensemble. Un problème est identifié et puis on rédige un protocole que nous soumettons, un projet que nous soumettons. Les substances de fonte, là, c'est des résidus d'amina. Voilà. Mais maintenant, au niveau de la croissance, je peux varier plusieurs types de substances. Oui. Donc en fonction des besoins que je recherche chez l'espèce, que ce soit les lipides, les protéines, etc. Ok. Cette idée de projet axé sur la formation vient du fait que, en réalité, comme un adage le dit chez nous, il vaut mieux apprendre à pêcher le poisson que de lui donner le poisson. On s'est rendu compte qu'il y a une insuffisance de cadre à ce niveau-là. Et lorsque nous avons pensé, nous avons identifié ces problèmes-là, nous avons jugé utile de former des cadres béninois, des techniciens, des professionnels déjà sur le terrain pour une meilleure gestion des ressources aquatiques vivantes, non seulement au Bénin, mais au niveau sous-régional. Nous rentrons ici dans notre écloserie. L'écloserie qui est un local au niveau duquel nous faisons de la reproduction. Des poissons. On fait de la reproduction, on fait de l'élevage larvaire. Il y a un certain nombre de doctorants qui sont aujourd'hui déjà docteurs, qui ont été formés dans le cadre de cette coopération. Donc ce sont des acquis extrêmement importants. Ça, c'est les ressources humaines de qualité. En dehors de ça, il y a les équipements. C'était très important pour nous. Sinon, le laboratoire ne pouvait pas décoller. Et nous arrivons, à travers ces programmes, de faire des publications. C'est un acquis extrêmement important sur le plan scientifique. Donc nous faisons de la recherche. Les résultats que nous obtenons, ces résultats sont vulgarisés auprès des pisciculteurs qui produisent les poissons. Et le bénéfice maintenant pour le consommateur, c'est d'avoir des poissons. C'est d'avoir suffisamment de gros poissons. Et le bénéfice pour les producteurs, c'est de produire de gros poissons et à vil prix. Les ambitions scientifiques, c'est de poursuivre la recherche scientifique dans le domaine qui est le mien, à savoir le domaine des milieux aquatiques et de la gestion des ressources aquatiques, la connaissance des milieux aquatiques et de leurs ressources. C'est ça mes ambitions du point de vue scientifique, et de publier et de faire connaître au monde les potentialités, les nouvelles découvertes dans ce domaine-là au plan scientifique, et puis également former des cadres compétents pour la relève.